En ce vendredi de Pâques et dans le cadre de ce parcours sur la miséricorde divine, je vous invite à mieux découvrir en ce jour ce que signifie le cœur de Jésus. Dans l'Écriture, le mot cœur est le symbole de l'amour. Ce mot va être employé pour signifier aussi les sentiments qui habitent Jésus, dont le côté va être transpercé à la croix, laissant jaillir l'eau et le sang. Contempler le cœur du Christ, c'est entrer dans son intimité. Saisir les blessures que lui infligent nos ingratitudes, nos péchés, nos aveuglements. Mais c'est aussi mesurer la surabondance de l'amour et du pardon qui jaillit du mal que l'on commet. Aidé par Mgr Michel, évêque de Valence, et par le témoignage d'Édouard Maillard, séminariste, nous allons maintenant puiser dans le cœur du Christ à la source de la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Bonjour à tous. Pendant le carême, il y a une quinzaine de jours, en plein confinement, une jeune fille de mon diocèse, Marie-Célie, m'a écrit un message en me disant « J'ai reçu d'un ami une image qui, quand je la regarde, me fait monter des larmes sans que je le veuille. Et je ne sais pas ce que représente cette image. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Alors en fait, il s'agissait de la grande mosaïque qui se trouve à la chapelle de la Colombière à Paray-le-Monial et qui représente la grande vision de Marguerite Marie en juillet 1688. Le Christ au centre, avec bien en évidence son cœur brûlant d'amour, et d'ailleurs sur un trône de flammes. En fait, c'est cette évocation de cette rencontre, de cette révélation que Jésus a faite à Marguerite Marie au XVIIe siècle de son cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit que des ingratitudes. Alors je vous partage la réponse que j'ai faite à Marie-Célie en référence à l'Évangile. Vendredi dernier, nous étions le Vendredi Saint, nous avons entendu la proclamation de la Passion selon saint Jean, avec en particulier ce verset qui se situe juste après la mort de Jésus, quand les soldats viennent briser les jambes à ceux qui ont été crucifiés aux côtés de Jésus. Et il est dit dans l'Évangile, au verset 34 du chapitre 19 de saint Jean, « Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. » Et on peut voir là le signe du cœur de Jésus transpercé, de son cœur ouvert, répandant l'amour sur le monde pour lui communiquer sa vie. Pour bien comprendre, il est bon de relier aussitôt ce coup de lance dans le cœur de Jésus avec un geste qui se situe après la résurrection, quand Jésus vivant se montre à Thomas. Vous savez, cette scène où l'apôtre Thomas n'était pas présent lors de la première manifestation de Jésus aux apôtres, et il exprime ses questions. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, Jésus vient à nouveau et après avoir dit « La paix soit avec vous », il s'adresse à Thomas en lui disant « Avance ton doigt, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse de refuser de croire, deviens croyant. » On pourrait presque traduire « entre dans mon côté ». Pour bien faire comprendre cette démarche de foi qui va permettre d'entrer en contact avec le Christ, mort et ressuscité, fontaine de vie et d'amour. Le cœur de Jésus, les plaies de ses mains et de ses pieds n'ont pas disparu après la résurrection. Elles demeurent en quelque sorte, pour l'éternité, les fissures de la miséricorde. Car la miséricorde, ce n'est pas l'oubli. Ce n'est pas l'effacement de manière magique du mal, mais c'est la surabondance de l'amour versé dans les souffrances de l'humanité. Ces plaies, qui
qui auraient pu rester à jamais signes de mort et de condamnation, sont devenus des signes lumineux de l'amour et du pardon de Dieu. De même que Jésus avait dit à Pierre, avance en eau profonde, Jésus dit à Thomas, entre dans mon côté. Et nous ne pouvons pas rester extérieurs. Nous sommes appelés à entrer dans ce mystère insondable en reconnaissant que nous faisons partie de ceux qui ont transpercé Jésus et qui en reçoivent de lui sa paix, sa miséricorde. Mais me direz-vous, pourquoi donner tant d'importance au cœur ? En fait, quand on se désigne soi-même, vous l'avez tous remarqué, on ne monte pas sa tête, mais on monte son cœur. Parce que le cœur, c'est la personne tout entière. Et à travers ce symbole du cœur, c'est l'humanité tout entière de Jésus qui est mise en lumière. C'est ce que nous dit l'Église dans ce passage du Concile Vatican II. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Jésus a voulu remplir d'amour toutes les souffrances humaines. C'est pour cela qu'il nous a aimés jusqu'au bout. Le père Pedro Arrupe, le général des Jésuites, dans une homélie en 1975, disait « Dans le cœur de Jésus se cache le secret de cette divine alchimie qui permet de transformer la souffrance en joie, les larmes en allégresse. » Mystère. En cette période difficile d'épidémie que nous traversons, avec tant de victimes, tant de gens qui souffrent, cette révélation de Jésus, doux et humble de cœur, livré par amour, ressuscité par son Père, relevé d'entre les morts, dans la puissance de l'Esprit, est source de lumière et de paix. Finalement, seul le Christ, le Fils, Dieu venu en notre chair, peut prendre la mesure du mal dont nous souffrons. Lui seul peut apporter non pas une réponse, mais une limite au mal qui déferle sur l'humanité et la défigure. C'est ce que nous dit Saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la miséricorde, la limite imposée au mal dont l'homme est l'auteur et la victime est en définitive la divine miséricorde. Et Saint Jean-Paul II fait remarquer que Sœur Faustine, cette religieuse polonaise du XXe siècle, a eu cette révélation de la miséricorde justement en une période troublée. Elle devint celle qui a diffusé l'annonce selon laquelle l'unique vérité capable de contrebalancer le mal de certaines idéologies, en particulier ces idéologies mortifères qu'a connues le XXe siècle, le nazisme, le communisme, eh bien, le seul, l'unique vérité qui peut contrebalancer cela, c'est le fait que Dieu est miséricorde. C'est la vérité du Christ miséricordieux. Et d'ailleurs, il ajoute que c'est pour cela que quand il est devenu pape, eh bien, il a ressenti la nécessité de faire connaître au monde cette tradition, ce trésor de l'Église de Pologne, de la figure de Sainte Faustine, et de la faire connaître au monde. Et c'est peut-être pour cela aussi que à la fin de son pontificat, le saint pape Jean-Paul II disait que la clé de son pontificat, c'était la miséricorde. Oui, vraiment, on peut reprendre les mots de saint Paul, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Car Dieu ne nous laisse pas seuls dans nos détresses, il vient à nous pour nous délivrer et nous donner la vie véritable. » Alors, nous avons à laisser le Seigneur lui-même venir purifier notre cœur, en faire ce foyer d'amour, ce foyer de conversion, comme le sien, comme son cœur à lui. Et dans ce parcours de miséricorde, de Pâques au dimanche de la miséricorde, nous pouvons réentendre chacun, personnellement, la question de Jésus à Pierre, « M'aimes-tu ?» et y répondre, «
librement, dans le plus secret de notre cœur, en prenant cette attitude d'offrande, de confiance, d'amour, qui est celle que le Seigneur attend de nous. Alors, bonne fête de la Divine Miséricorde dimanche. Seigneur doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien. Apprends-nous à vivre dans l'intimité, dans le cœur à cœur de la prière, avec toi en particulier à chaque célébration eucharistique. Seigneur, ouvre nos cœurs aux besoins de l'humanité qui a soif de vérité, de justice, de transcendance. Rends nos cœurs, Seigneur, compatissants, bienveillants à l'égard des plus pauvres. Donne-nous la sagesse du cœur, la douceur et l'humilité de ton cœur pour pouvoir t'aimer comme tu nous as aimés. Je m'appelle Edouard, j'ai 21 ans, je suis au séminaire, donc je me prépare à devenir prêtre. C'est la troisième année que je passe ici au séminaire de la Castille, séminaire du diocèse de Fréjus-Toulon. Un beau séminaire, on a la chance d'être très nombreux et on fait chaque jour, on profite de cette, vraiment de cette belle ferveur joyeuse et priante. Mon désir de suivre Dieu, c'est vraiment enraciné à la suite d'un événement, une belle rencontre avec le Seigneur à Ars, avec le Saint-Curé d'Ars qui a mis beaucoup le cœur de Jésus, lorsque j'étais en seconde. Et cette expérience a vraiment changé ma vie et je crois que ça a un lien avec le cœur de Jésus et j'aimerais vous en parler. Commençons par parler d'une autre sainte, bientôt sainte, qui a beaucoup aimé le cœur de Jésus. C'est Marthe Robin, qui est juste ici, là, dans ma chambre. Marthe Robin, elle a dit que le Sacré-Cœur de Jésus est la demeure qu'elle avait choisi d'habiter sur la terre. Je crois que ça rejoint profondément ce que je veux vivre et je crois que tous ceux aussi qui veulent donner leur vie au Seigneur, pour donner sa vie au Seigneur, quelle que soit la voie, dans mon cas, a priori vers le sacerdoce, il faut avoir fait cette expérience-là de Jésus. Si on n'a pas goûté, c'est en fait ce qui nous motive dans le fait de donner toute notre vie à Jésus, c'est parce qu'on a vraiment fait l'expérience de son cœur. On a réalisé, on a compris combien son cœur nous aimait, et à notre tour, c'est tellement fort que on veut contribuer à ce que ce cœur soit aimé et connu. Et ça, je vois vraiment que c'est ma vocation, que j'essaye de porter dès aujourd'hui d'ailleurs. Je me dis, mais Seigneur, tu m'as tellement aimé, c'est tellement fort la vie avec toi, tu as transformé quelque chose en moi. Et par mon petit apostolat, je désire vraiment que d'autres aient accès à ce cœur. Et c'est ce qu'on vit déjà en étant séminariste. Et je crois que c'est un des très très beaux aspects du prêtre, c'est d'essayer de montrer aux hommes, à ce monde, le cœur de Dieu. Voilà, l'expérience de... En fait, une vocation, c'est une expérience d'amour, une relation avec le Seigneur. Et aussi la compréhension que, mais par moi aussi, Jésus compte sur moi pour que les autres le connaissent et l'aiment. Que tous les cœurs connaissent le Seigneur. Ce cœur de Jésus, on le voit, parfois on le ressent, parfois je le ressens dans la prière de manière... J'ai vraiment l'impression que son cœur me visite, une grande paix. Mais souvent, là où j'ai le plus l'impression de le voir, c'est par les autres. Lorsque quelqu'un vient et tout d'un coup va me dire une parole toute lumineuse, un sourire habité. Toutes ces actions où en fait, derrière ces actions, on voit le Seigneur, on voit son cœur. Et moi, je crois vraiment souvent le Seigneur, chaque jour, faire entrer des belles personnes, voilà, par la providence, avec des situations qui me laissent encore aujourd'hui et chaque jour voir l'amour de Jésus pour moi, amour qui vient de son cœur. Et dans l'autre sens, mais ça c'est beaucoup plus rare, parce que je suis qu'un pécheur, et parfois j'ai vraiment l'impression que Dieu se sert de moi, et que par moi, des fois je me dis, c'est impressionnant, mais est-ce que je dis des choses et ça me dépasse. Je vois bien que c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment le Seigneur qui essaie de se servir de moi, et là encore c'est son cœur qui essaye de rejoindre le mien. Le cœur de Jésus, quand on en fait l'expérience, eh bien, il désire transformer notre cœur. Moi, je me souviens de cette belle expérience, ce beau récit à Paris-Monial où Jésus prend le cœur de Sainte Marguerite Marie pour le mettre contre lui, contre son cœur de feu, et ensuite le rend. Et j'ai vraiment l'impression que le Seigneur veut faire de moi, avec mes pauvres moyens et ma résistance à le suivre. Et je vois vraiment qu'il me donne de progresser dans la charité, dans l'amour des autres. Et ça a été un fruit très fort de ma conversion, c'est que je réalisais que j'aimais, mais plus comme avant. J'aimais avec le cœur de Jésus. J'aimais au-delà de mes pauvres facultés humaines. Si j'étais capable de ne pas maudire celui, de ne pas critiquer, de ne pas juger, en tout cas d'essayer de ne pas le faire, c'est parce que Jésus m'aimait et que cet amour changeait ma vie. Le fait que Jésus a un cœur, je crois que pour moi, ça change tout dans la prière. Parce que celui à qui je me confie m'a infiniment aimé, a infiniment aimé le monde. Alors, comment avoir peur? Comment ne pas m'abandonner quand je pense que je me confie à un cœur? Et idem, lorsque je confie des proches, des personnes qui souffrent, des situations préoccupantes, eh bien je m'abandonne, je les dépose à ce cœur qui a le souci de moi-même et des autres encore plus que moi-même.
Il m'aime plus que moi-même, il aime les autres, et ce que je lui confie encore plus que moi-même. Enfin, un dernier aspect, que ce cœur aimant vient tout changer, c'est dans la souffrance, du moins dans tous les agacements, les irritements de chaque jour, qui sont nombreux. Quand je pense que le cœur de Jésus a coulé pour moi, pour que j'ai accès à cet amour-là, alors j'ai plus peur, moi aussi, d'offrir au cœur de Jésus tous les agacements, les souffrances, les choses pénibles, en réparation pour tous mes péchés et aussi pour que le cœur de Jésus connaisse d'autres personnes, comme un jour, ce cœur de Jésus est venu me rejoindre. Alors, moi Seigneur, avec tous ceux qui nous écoutent, je veux vraiment te remercier parce que tu as fait en sorte que ton cœur s'approche de moi et ça a changé ma vie. Seigneur, je te demande que ton cœur rayonne sur le monde, ton cœur vienne rencontrer toutes les personnes, surtout celles qui en ont le plus besoin. Enfin Seigneur, je te demande de jamais m'éloigner de ton cœur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons t'adorer. En contemplant à travers l'Eucharistie ton cœur eucharistique, ton cœur ouvert. Du cœur ouvert de Jésus par la lance romaine sur la croix a jailli le sang et l'eau, le sang de l'amour, l'eau de la vie, le sang de l'Eucharistie, l'eau du baptême. Oui Seigneur, nous voulons comme le disciple bien-aimé, comme la Vierge Marie, nous approcher de ton cœur qui est le symbole de l'amour. Nous voulons rentrer dans cette intériorité du cœur, dans un cœur à cœur avec toi, entrer dans tes entrailles de miséricorde qui nous sont ouvertes. Nous voulons entendre, réentendre ces paroles prononcées. J'ai soif de ton amour, j'ai soif de toi. Oui Seigneur, nous avons aussi soif de toi, soif de ton amour, de ta présence, de ta lumière. Ton cœur ouvert est aussi pour nous un appel à ouvrir notre cœur à toi et à nos frères et sœurs en humanité. À changer notre cœur de pierre en cœur de chair, pour qu'à travers nous passe ta bonté, ta charité. Apprends-nous, Seigneur, à aimer comme tu nous as aimés, sans compter. Sans le savoir, le monde a soif de ta vérité. Tu l'as confié, cette vérité, à ton Église, à chacun d'entre nous, pour qu'il en soit le témoin, le bénéficiaire et l'ambassadeur. Oui Seigneur, rends nos cœurs semblables aux tiens. Fais-nous rentrer de plus en plus dans un cœur à cœur avec toi.
Cœur de Jésus brûlant d'amour, apprends-nous à t'aimer. Donne-nous chaque jour de faire ta volonté. À Paray-le-Monial, Jésus est apparu au XVIIe siècle à une humble visitandine, Sainte Marguerite Marie à la Coque, en se plaignant que son cœur blessé d'amour ne recevait en retour que mépris et indifférence. Je vous propose, pendant quelques instants de silence, en posant votre main sur votre cœur, de demander à Jésus, doux et humble, de venir guérir nos cœurs blessés, fermés. L'humilité du cœur de Jésus, c'est de laisser la volonté de son Père passer devant lui. La douceur du cœur de Jésus, c'est de laisser l'Esprit Saint agir en lui. La main sur le cœur, nous demandons au Seigneur, en silence, de nous donner cette douceur et cette humilité de son cœur.